Bonjour tout le monde, c'est Jake pour Ivasound Studio et de nouveau sur Super Mario Bros. 35. On aime bien ce jeu, on aime bien. Et les quêtes du jour. Terminer 4 stages lors de batailles à 35. Ça devrait aller. Utiliser 2 super étoiles au cours d'une même bataille. Ça devrait aller. Utiliser carapace pour vaincre 30 ennemis. C'est le plus compliqué, mais ça passe crème. Allez. J'espère que tout le monde va bien. Que vous êtes bien installés. On se remet droit. Parce que là, on est en mode... c'est plus de la détente, là. C'est plus de la rigolade. Comme diraient certains, c'est nous sommes en guerre. Le royaume champignon est envahi. Bon, est-ce qu'on va faire top 1 ? Il y a déjà quelqu'un qui est mort sur la droite. Hein, ah non, c'est bon. Est-ce que... il y aura du top 1 aujourd'hui? En tout cas, j'espère. Et j'espère que vous espérez aussi. Voilà. J'ai perdu un peu de temps là, mais c'est pas grave. Parce que le début, ça se rattrape. Toum, toum, toum. Oh là. Toum, toum, toum. Je suis un peu lent là, je suis un peu long et un peu lent même. Ah, j'aurais pas dû taper la carapace. Non, compter un ennemi tué par une carapace, s'il en faut 30. Mais ça se fera un peu plus sur la fin, ça normalement. Ah, pas grave. Voilà, là on a été prudent. L'autre fois, on n'était pas prudent et du coup, même situation, c'était le saut périlleux quoi. Deux, mais c'est pas tout à fait... Voilà, là je réfléchis à comment avoir mes ennemis carapace et au final... C'est pas bon, faudrait juste que je réfléchisse moi sur ça et 1, 2, 3, 4. Voilà, la 4 ça fait déjà 6. Oh, 10, allez. Étoile. Il y en a des tortues là. Invasion des Koopas. Ah, c'est pas un bon début de partie, c'est pas une bonne, première partie. Hein. non, c'est bon, 4 stages c'est fait. Les 2 étoiles c'est fait. Carapace, je sais pas, on doit être à 12-15. C'est pas ouf. J'aime bien faire mes quêtes en une partie. Souvent c'est en deux. Bon, puis après sinon t'as des quêtes terminer 30 niveaux ou terminer 5 fois dans les 15 premiers, etc. Et là du coup bah, t'es obligé de... Dans ce cas t'es obligé de faire plusieurs parties. Ah, flûte. C'est pas ce que je voulais faire. Ah, le retour des frères Marteau qui ont rapidement disparu, hein, tout simplement. Est-ce qu'on ne regarderait pas vite fait? Ah bah voilà, j'ai voulu regarder ailleurs. Et ça s'est mal passé. Allô? Tout ça parce que j'avais un focus sur... un écran et demi pour savoir ce qu'ils en sont et... Bon, combien j'ai fait? 6. Pour une première. C'est mieux que 30, hein. C'est mieux que 30. Excusez-moi, j'ai besoin d'un champignon. Là. Pas vraiment de secret dans ce premier niveau, c'est juste un niveau tuto. T'as des toiles, du champignon, des seaux, des trous, des fleurs. C'est vraiment un niveau tuto. Est-ce que vous pensez que ça passe? Ah, raté, dommage. Est-ce que ça là peut passer? De toute manière, j'en ai besoin d'accéder à la fleur. Hop là. Mais encore une fois... Faut que je trouve une parade pour arrêter de faire cette erreur. Là, le petit coup en haut ne servait pas à grand chose à part pour, envoyer la coupa sur les ennemis, les adversaires. Jamais vu de poisson dans les grottes, c'est le moment. Tenter quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Hop hop hop. On a fait 6 hein, à la première partie. J'observe vite fait tranquillement mes adversaires sans erreur. Sans faire d'erreur, j'ai dit. Qu'est-ce qu'il fait le en haut à droite là? Il est en pause. Il va perdre sur le temps en haut à droite, hein. Il fait rien. Voilà, il est en rouge, il est en temps rouge, voilà, il est mort. Pourquoi il a AFK? C'est con. Il reste que 5 personnes à gauche. Tout le monde a des pièces. Moi je manque un peu, je trouve. Oh purée. Il y en a un qui est en étoile, un fleur, fleur, fleur. Et celui d'en bas, il est en quoi? Il est en fleur aussi. Ok, c'est la PLS pour moi. Du coup, je suis en désavantage. En même temps, niveau aquatique, c'est pas comme ça que je vais me refaire. Hein. Encore le 1-3? C'est la semaine du 1-3 quoi. J'ai l'impression d'être tombé plus sur le 1-3 que sur... raté. Sur la grotte. Le 1-2. Tiens, prends ça, Bowser. Oh purée. Il allait cracher. Ça s'est joué à 0,2 secondes là. Non. Ah tiens, Bilbal. Oh, purée. J'ai glissé. Il y a deux Bowser qui nous attend. On va y aller. On va les avoir à la fleur, je pense. Ah, peut-être pas. Comment il crache comme ça? 4. Purée. Il va tomber. Ils tombent tous les deux. Oh, étoile, yes. Trop cool. Hop là, on se pose, calmement. Les coupas, ça dégage. Je pensais avoir ce duo, mais non, en fait, je préfère attaquer la plante piranha. Plante piranha, comme dirait dans Smash Bros. Oh mon dieu, le bilbal. Les bilbal, bien sûr, hein, métal, tout ça, les boules de feu ne fonctionnent pas. Comme les... Je sais pas comment ça s'appelle, les ennemis carapace noire. Ça porte un nom, mais j'ai oublié. Non, Bowser, je te calme. Ah, le 1-4. Ah! Je voulais tracer, je peux pas. En même temps, tracer sur le 1-4 à cette étape-là. Oh non, il y a des là qui tuent. Enfin, un là qui tue. Oh l'horreur. Oh l'horreur. Mais je viens de... Mais quel imbécile. Voilà, c'est bon. Et le là qui tue, il s'est barré? Ah non, il est là. Il y a du monde au balcon qui arrive. Non! Non! Le Goomba qui revient sur la gauche! C'était pas le timer. C'était pas le bon timer du Goomba. Est-ce qu'on peut rage quitte sa vie? Ouais. Mais t'en as pas d'autres, hein. Purée, le Goomba sur la gauche, quoi. Normalement, il y avait encore 2 secondes. Trop mal calculé, c'est horrible. Mon frigo vient de tomber en panne. Tu viens de faire les courses. Ah merde. Et en plus, il est 18 h, couvre-feu, tout ça. Ah bordel. Bah là, ce que tu fais, c'est les sites comme Cdiscount, Mr Gooddeal, Rue du Commerce. Je crois qu'on est... Il reste une semaine de soldes, ou si les soldes viennent de se terminer, ça c'est con. Mais alors, pour, ouais. Après ça peut se réparer un frigo, mais c'est plus long. Mais c'est plus écolo. Parce que là, mais un frigo c'est chiant à réparer par contre. Micro-ondes c'est plus simple à réparer. Rien à faire. Oh, il était vieux ton frigo? Bon, Shiza. Oh, Shiza! Eh, hey, salut Shiza! Comment tu vas? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, Idon. Ça fait 2 ans maintenant. Et voilà, je fais des bêtises. C'est pas le thermostat. À partir de là, je peux plus rien faire. Ah ouais, d'accord. Ah, le frigo. Ce que tu fais, c'est que tu laisses quand même ta bouffe au frigo, ça sera encore frais, hein, pour demain, et demain matin, première heure, tu t'en occupes. Putain, je fais que des conneries, moi. Tu as vu mon live? Ah, je suis content, Shiza. Ça fait trop longtemps. Bon, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était... dans une très bonne ambiance, c'était très sympathique. C'est vrai que ça me manque un peu, je dois le reconnaître. Comment va ta dame et tes petits qui ont dû grandir depuis? Bah, le mariage de riz, moi je voulais... Ah non, non, attendez, on peut la voir la fleur, on peut la voir. Ah non, allez. Yes. Pour une fois que je fais preuve de dextérité dans un Mario. Le petit devient gigantesque. Tu m'étonnes. Bientôt au CP. Déjà? Déjà au CP? Ah ouais. Putain, ça grandit vite, hein. Tu me diras, la pitchoune de Rim aussi, elle a bien grandi. Hop, 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 j'ai failli tomber. Tac, tac. Je gère bien, ça dépend, hein, parce que de ces glissades... Après, faut bien que je... Un jeu qui soit ma spécialité, vu que je suis nul à tous les jeux, c'est le seul que je connais quasi par cœur. Donc, bon, il y a pas mal de gaffes, même si c'est du challenge. Mais bon. Ah, le temps passe vite. Hein. Quand tu te dis que dans 20 jours, précisément, ça fera 4 ans qu'Ivalis s'est fermé. Attends, ouais, c'est ça, 4 ans, ouais. Peut-être faire un live spécifique, soit le 31 mars, soit le 1er avril. C'est pas une annonce, hein, j'y réfléchis juste. Parce que quand même, il valise quoi. T'as même repris sur Ophi, sur WoW Classic. Ah ouais. WoW Classic, j'y étais au début. Et même si j'ai adoré l'aspect nostalgie, ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai pas retrouvé l'ambiance de WoW d'avant, l'ambiance de guild, tout ça, parce que bon, j'étais guildé. Mais il me manquait quelque chose, il manquait cette ambiance que j'avais appréciée, et du coup c'est pour ça que je suis pas retourné sur Classique. J'ai même pas fini d'XP, je crois. 40, 50, je sais plus, mais j'avais même pas fini. C'est dommage parce que les raids classiques sont géniaux. Hein. Hyper dur. Mais... Sinon après sur Ophi, je suis sur Ophi normal depuis Légion. J'ai vu qu'il y avait une grosse mise à jour de quasi 3 Go hier, avec la 9.05 qui est sortie. Pas raté. Donc nos nouveaux objectifs, faudra que je m'y colle ce week-end. Ah ouais, je me doute. T'es dans les plus jeunes de ta guilde. Ah ouais. Ah ouais, comme quoi la communauté WoW, même si le contenu se renouvelle, la communauté, ils ont du mal à la renouveler. C'est pour ça qu'ils, entre guillemets, ils perdent des joueurs, même s'il y a toujours une grosse fanbase. Et que Blizzard gagne quand même beaucoup d'argent sur WoW, hein, faut le dire ce qui est. Mais les nouveaux joueurs, ils n'arrivent pas à les attirer. Les jeunes joueurs d'aujourd'hui, c'est LoL, Overwatch... Valorant, CS, c'est des petites parties courtes, dynamiques, et basta quoi. Mario 35 à la limite, mais bon, voilà quoi. Bon, Mario 35, je troll dessus. Mais les jeux d'aventure, MMO, ça se perd énormément, et les deux seuls qui fonctionnent de toute manière, c'est WoW, parce que Blizzard a toujours suggéré sa com, et a toujours proposé un contenu intéressant, même si parfois contestable. Et Final Fantasy XIV, FF14 en ligne cartonne, c'est énorme. Hein, pas autant que WoW, mais ça cartonne. Alors que tu trouves un des autres MMO, t'en entends pas parler. Mais pareil, c'est des joueurs qui ont 30 ans passés. Hein. Overwatch c'est un peu mort. Non, non, Overwatch c'est pas mort. Va jouer en classé Overwatch, tu vas voir, c'est pas le même niveau. qu'il y a Overwatch 2 qui arrive de toute façon. C'est pas le... C'est pas le temps de PX, jamais... Ouais, ouais, bah ouais. Oh non, le lac qui tue. C'est le retour de la météo, ça y est. Ça y est. Les nordistes ont envahi mon niveau. Oh purée, c'est galère. Coucou Nino. La génération... Mais... Oui, oui, dans l'aspect plus réflexion poussée... Oui, après les jeunes d'aujourd'hui sont quand même plus geeks parce que plus connectés. Mais par contre, sur les jeux, ils s'intéressent pas du tout au même jeu. Mais pas du tout. Mais t'as quand même des pépites intéressantes de jeux indépendants qui sortent du lot. Et qui arrivent à faire succès, et ça c'est cool. 1 à 2 fois par semaine, ici on fait du jeu indé avec des valeurs spécifiques qu'on veut mettre en avant. Parce qu'il y a des studios indés, ils sont géniaux. Bon certes, ils font pas succès autant qu'un AAA, mais... Ça fait pas très longtemps que j'ai eu le temps. D'accord. Ils sont ultra connectés sur les réseaux sociaux. Et les nouveaux réseaux sociaux surtout. Facebook, même si ça reste... Comment je l'ai eu celui-là? Facebook, ça reste un gros réseau. Clairement, hein, c'est indéniable. On va tricher. On va tricher. C'est risqué. Là, ce que je fais, c'est risqué. Mais on va le tenter. Mais sinon, là, tu prends les réseaux d'aujourd'hui, tu veux buzzer, tu vas sur TikTok. Je déteste TikTok. J'y ai pas de compte dessus, j'ai juste regardé vite fait. Je ne comprends pas l'intérêt. Tu prends une musique dont t'as pas les droits, tu danses 3 pas à la con dessus, ça y est, t'as 3 millions de vues. D'accord. Si tu veux. Il n'y a aucun intérêt à TikTok. Aucun. Et en plus, c'est chinois, donc les données, bonjour quoi. Déjà que les US, niveau données, ils se font plaisir. Les Chinois, malheureusement, et c'est pas une question d'être raciste ou pas, parce que c'est pas le cas. Mais tu prends les entreprises chinoises comme TikTok, comme AliExpress, bah, t'inquiète pas que des spams dans les mails tu vas avoir. Hein. C'est un fait, hein. Ça c'est juste un fait. Allez l'étoile, là j'ai besoin d'étoiles parce que le temps, s'il vous plaît le temps. Et c'est serré en fait, hein, quand je vois les adversaires, ils vont me bouffer au temps. Ouais, ils vont me manger sur le temps. Ah, 4ème. Oh non, le 3. Ah si, quoi que le 3-2 pour le temps, c'est pas mal. Hmm, 15 secondes. Il y a une étoile ici. Allez, l'étoile. Go, on trace. Par contre, s'il m'envoie pas d'ennemis... au moins 3, s'il vous plaît. Au moins 3. Le 4-1? Vous êtes sérieux, le 4-1? Maintenant? Purée, il n'y a pas pire niveau, quoi. Ok, en étoile, ça passe. Mais il faut tracer. Non, les lacitudes, vous dégagez. Oh, ça y est, c'est fini. C'est fini. Ah! Dommage. 4ème, c'est ça? 4ème. 4ème. Ah, je suis déçu. Sur le temps, c'est frustrant. Perdre sur le temps, c'est vraiment très frustrant. Bon, maintenant qu'on est hors bataille, on peut papoter. Bon, je vais la relancer, en relancer, mais... Le 32 d'hier, mais au secours. Au secours, le 32 d'hier. Purée. Comment va? Bah, ça va. Un peu fatigué parce que la petite semaine là a été rude. Une chose à faire. Peu de sommeil. Et pas mal de replays à rattraper sur plein de choses en plus. Mais sinon, ça va. Il va falloir que je bosse un peu plus sur les prochains projets qui du coup ont du retard. Mais ça va. Shiza, je sais pas si t'es en follow sur la chaîne, mais n'hésite pas. Hein. Là, depuis quasiment le premier confinement, on stream toutes les semaines, pas tous les jours, mais toutes les semaines. Il y a du rétro, il y a du AAA, il y a beaucoup d'indés, et le soir, le mardi soir, on, on joue à plusieurs avec d'autres gens sur le Discord, dont Nino, il y a Rimfire qui vient de temps en temps, il y a des anciens Divalis, et on fait des jeux, soit du Among Us, soit des jeux entre guillemets de société sur Discord, en live bien sûr. Donc n'hésite pas, franchement Shiza, t'es le bienvenu, hein. En plus tu sais très bien que t'es quelqu'un que j'aime beaucoup, donc faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Et là en début d'après-midi, j'étais sur Mario 3D World, il est déjà terminé, mais j'essaye d'aller au 100%, de finir le jeu avec tous les persos, donc finir le jeu 5 fois, rude. Et Mario 35, c'est mon petit bonbon, mais c'est un jeu temporaire, il est dispo que jusqu'au 31 mars, il était dispo pendant 6 mois, du octobre à mars, là, pour les 35 ans de Mario, d'où Mario 35. Et bon, après on sait pas trop ce qui va advenir de ce jeu. Peut-être qu'on aura un Zelda 35, ce serait intéressant ça, vu qu'on est sur les 35 ans de Zelda aussi. Ah ouais, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Hein. On poste plein de bêtises, on papote beaucoup. Tiens, regarde, Discord, il va arriver. Voilà, il est là le Discord. Mais ouais, Discord, bah, si on... Bon, il y a du live régulièrement sur Twitch, certes, mais les 3 quarts du temps, on est sur Discord, et même des fois, juste entre nous, on partage le jeu qu'on est en train de jouer sur Discord, mais uniquement sur Discord pour avoir les avis, les conseils ou les énigmes des aventures Layton, c'est assez sympa. Et on poste quoi dessus? Des bons plans, on discute d'actualité, bon, de jeux vidéo certes, mais pas que. J'essaye petit à petit de dire aux gens de manger mieux, mais c'est pas facile. Manger équilibré du moins. Vraiment manger équilibré. C'est pas simple. Donc ouais, Discord, on va dire que depuis 2 ans maintenant, le Discord c'est notre outil principal. Mais bon, un jour j'espère reprendre les ateliers, et ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'il n'y a pas eu d'atelier parce que confinement, Covid et compagnie. Mais bon, voilà. Bon, on y retourne. Parce que bon, faut être top 1 quoi. Hier, on l'a été 2 fois. Si on peut éviter d'être 35, ça m'arrangerait. Je veux pas faire la bêtise d'hier, mais le 32 d'hier, mais là, ah la honte. Vous êtes bien foutu de moi dans le chat. Hein. Bande de rigolos. Ah, c'est parti. Sinon les prochains streams ça sera la semaine prochaine. On n'a pas encore fait le planning. Mais il va falloir le faire. D'ailleurs Nino, vu que t'es dans les parages, a été évoqué le fait de reprendre Stardew lundi, ce lundi soir, si tu peux. Et après ça serait une fois tous les 15 jours. Si jamais, faudra en papoter sur Discord et tag Imra dessus. C'est bon, le trou est passé. Ce lundi soir, en raid sur... Ah, bah en fait, il n'y a que le lundi qu'on peut faire du Stardew. C'est pour ça. Il n'y a pas d'annonce hein, pour le moment, de toute façon. Sinon, on fera du Dofus. Vous voulez... Parce que vu qu'il y a Kipan, on est dispo pour jouer à plusieurs que le lundi soir. On s'est dit, vu qu'il est à la fois sur le Dofus et le Stardew, on s'était dit d'alterner Dofus et Stardew. Comme ça, on pourra alterner un jeu que je comprends et un jeu que je comprends pas. Je comprends toujours rien à Dofus. De faire un stock de pièces. Waouh, c'est ambitieux ça. Ça c'est ambitieux. Ok. Que j'avais fait une erreur là, mais en fait ça va. Est-ce qu'on peut tracer? Non, on peut pas tracer, il y a trop de monde. Ah, c'est intéressant ça. Hop, hop, hop. Yes. Passer sur Discord prochain. Ça marche. Des bisous Shiza. Gros bisous à ta famille aussi au passage, hein, bien sûr. Ok, bon, je pensais qu'il y aurait eu deux ennemis, mais... Voilà. En même temps, j'ai pas regardé la timeline. Hop, purée, je l'ai vu arriver. J'aurais dû continuer et pas freiner. Il était en train de regarder dans le vide, il baillait aux corneilles comme on dit, il a même pas craché une flamme quoi. Il avait le temps pourtant. Est-ce qu'on peut tracer? Oui, go, on trace. Purée. Voilà, ça c'est un niveau où on trace. Enfin j'ai pu vous le montrer. Ce sera pas à chaque fois comme ça, je vous le garantis. Non, on prend pas la vie. La vie qui apporte 20 pièces. La petite fleur, on sait qu'elle est là. Bébé, monte. Tac tac. Top 1 nostalgique, tu penses? Non, Bowser, là, on l'a pas. Il est trop haut. Il va tomber. Là, il va tomber. Vas-y, tombe. Voilà. Voilà, c'est bon. Ah bon, d'accord. Oh là, il y a un ralentissement là. Allez les pièces. Pas de champi. La dernière fois que j'ai dit que t'allais perdre, t'as fait top 1. Est-ce que ça va? C'est vicieux. Vicieux Nostralix. Vous regardez juste pour savoir si je perds ou pas. prête pas du tout attention à mes adversaires, faudrait que je commence à m'en inquiéter. On fera ça sur la fin du niveau. Ça prendra 3 secondes pour réfléchir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, c'est bon, on tombe. Allez, go. Voyons voir les adversaires. 3 secondes. Ok, il y a un petit là-bas. Lui, tout en bas à droite, il est bon. Ok, c'est équilibré, sauf au milieu en bas à gauche. Et en haut à droite. D'accord. Bon ben en haut à droite il a dégagé. Oh non, un bloops. Bon, je l'aurais pas. Est-ce qu'elle va tourner? Non, elle tourne pas. Et là elle tourne. Oui, c'est ça. En bas au milieu il est un peu en difficulté. Enfin, en bas à gauche au milieu du coup. Je devrais peut-être le cibler plus. Mais je me retrouverai qu'avec les forts entre guillemets. Ah bah il est mort, il est tombé dans la lave. Oh à droite il est tombé comme un... Mou le pauvre. Par contre là il me bouffe le temps. Hop là. Changement de stratégie. Allez les bloops, il y a trop de bloops là. Ah flûte. On trace, on trace, on trace, on trace, on trace. La frame qui nous a passé à 0,2 secondes, 1 seconde même. 0,1 seconde. Ah étoile, ah je prends ça, ça je prends. Hop là. Tac. Le bloops, on va avoir les bloops. Hein. Le deuxième, non? Non, pas le deuxième. D'accord. Par contre là le temps affreux. Oh non! Re un aquatique sur un temps! Un bloops, des ennemis. Donnez-moi des ennemis. Oui. Toi là, viens là. Toi t'es trop bas, je vais pas les chercher. Toi oui. Toi non! Ouh, il est passé, mais. Non, c'est mort. De nouveau, perte sur le temps. Je peux rien faire. Voilà. Et je vais mourir noyé ici. Oh purée à l'entrée du tuyau. Tant pis. J'avais acheté une pizza sans champignons, du coup je vais en avoir quand même. Ah bah oui du coup. Je pensais jamais avoir de la peine pour un frigo. Tu lui avais donné un petit nom? Il y a des gens qui me donnent un petit nom à la voiture. Dans mes ordi, ils ont un petit nom, par exemple. Peut-être que tu donnes un petit nom à ton frigo. C'est jamais. On va commencer en aléatoire. On va voir. Ah, on est que 34, c'est quoi ça? Oh, d'où ils sont morts eux? C'était l'hécatombe chez eux, qu'est-ce qui s'est passé? A commencé à la bourre en haut à gauche, là il vient de mourir. Ouais, voilà, j'ai regardé et du coup je... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Purée, non! On essaye de se capter un vocal. Oui! Non, non, pas ce soir, pas ce soir, forcément ce soir. Je vais lui donner un petit nom posthume. Il a survécu à des années d'études, un régime à des mois débranché en mon absence, repose en paix. Icy Friggy. C'est mignon, Icy Friggy. Oh. Toi aussi, Nino. Vraiment. Hein. Tu le sais, hein. L'étoile. Est-ce qu'on récupère la fleur d'ici? Ouais. On va essayer. Ah non. Bon, on l'aura pas, tant pis. La fleur d'ici, pas la fleur Marvel, bien sûr. Horo, blague, drôle, humour. Je m'insupporte. Le niveau 1-3, je pense, c'est celui qui m'insupporte le plus. Parce qu'il est lent. Il n'y a pas grand... Il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Bon, après, il y a tellement d'étages, entre guillemets, qu'on... À part tomber dans le vide, normalement, on risque pas grand-chose. J'ai pas... C'est depuis le début de cette session de Mario 35, je me rends compte que je manque de pièces, quoi. Je vais peut-être revenir à l'ancienne strat. Hop, hop, hop. Pourquoi je me suis arrêté? Pourquoi? Ça pourrit mes stats, quoi. Je me suis arrêté, quoi. Je me suis juste arrêté. C'est pas le jour pour faire du Mario 35, hein, sérieux? Là, j'ai failli me bouffer le champignon par... Purée, mais saute! C'est mon cerveau qui lag ou... Pourquoi je suis en stress sur cette partie, quoi? Oh là là. Purée. Voilà. En plein dedans. C'est pas grave. Ça peut se rattraper. Pièce, on est déjà mieux. Il reste combien? 7. On change de strat. Alors là il y avait une fleur, mais on la prend pas. On est déjà équipé d'une fleur et niveau temps c'est correct. Parce que si on reprend une fleur alors qu'on a une fleur, on a 15 secondes en plus, mais là vu qu'on peut cumuler que maximum 400 secondes, c'était pas nécessaire. Ça aurait été justement une perte de temps plutôt qu'autre chose. Ça va, il est bien passé ça. Hold. Enfin, je la prends juste pour arrondir. C'est pas nécessaire non plus. Par contre, ça c'est nécessaire. On est bien, mais quand même. Faut pas exagérer. Il y a une autre fleur ici. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on pourrait, hein. Voilà. Oh là, salut toi. Oh purée. Allez, ça c'est fait. Je perds du temps dessus, mais c'est pas grave parce que je le renvoie à quelqu'un d'autre. Ça a l'air de fonctionner. Les fesses, hein. Enfin, les pieds du coup, mais... Oh la fleur là-haut, sérieux. Allez. Pris le shortcut parce que 1 pièce on est bon et là on est sur les 3 derniers, donc niveau temps c'est pas ouf, donc il faut tuer des ennemis. Pas fait long feu, hein, le bloops. Putain, on est tous bons là. On est en bonne position. Là. Ah, plus moi. C'est bon, c'est rattrapé. Il manque un peu de temps, mais... Peut-être pas nécessaire. Ça. J'aurais dû en... Ouais, non, tant pis. Je pensais lui envoyer les poulpes sur la tête, mais... Ah, ça y est. Le focus temps du joueur de droite. Oh non, le 2-4. Ah! Je l'ai pas vu. Erreur de ma part. On trace. Ça suffira pas. Non, ça suffira pas. Bowser était vraiment au fond du niveau, hein. C'est pas... Pas très legit, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Mais... Alors toi, mon gars. pu dégager le fer à marteau ici. J'ai plus de fleurs. J'ai plus rien en fait. Allez, j'en ai deux là. Il est sur un niveau aquatique. Il est petit? Non, il est pas petit, il est moyen. Il va passer. Je crois qu'il a pris une étoile. Les Goombas, les envoyer dans un niveau aquatique, c'est pas... C'est pas ouf. Ouais, il a terminé. Les pièces, on s'en fout. L'étoile, direct. Ah, il est sur un niveau... il est sur le monde 8. Tiens, prends ça. J'espère que tu perdras sur ça. Comme ça, moi, je perds pas sur le temps. Il est en étoile. Purée. Bon, je me concentre sur moi. J'ai gagné. J'ai gagné en étant disparu. Yes. Ouais, nos Strelix sont... On avait déjà discuté de ça hier sur Discord avec les copains. On en débattra ce soir sûrement. Je l'ai pas, du coup je l'ai pas vu, on verra. Mais on n'en discute que sur Discord, sur Twitch c'est pas intéressant. Le top 1. On peut souffler un peu, hein, parce que la partie était assez tendue. D'accord, ok. Bah, je regarderai après. Celui-là top 1, mais le top 1 il vient d'être fait à l'instant là. Faudrait que ce soit un double top 1. Comme l'autre fois. C'était quand? C'était lundi, mardi? Comme ça, pas regarder. Ah, c'est dommage. Je vais montrer les stats après, tu vois. Ah, mais niveau temps, il me bouffe en fait. Je viens de me rendre compte. Il me bouffe sur le temps là. Oh. Tant pis pour les pièces, hein, mais là le temps. N'importe quoi. N'importe quoi. J'ai plus de... Enfin, ouais, temps moyen. Mais... Ouh, le poiscaille qui m'a... Ah non, pas le 6-4. Passer à la dernière dixième de seconde pour voir le Bowser à l'étoile. Il en est où mon camarade de jeu en bas? Purée, le 6-4, je l'ai évité tout à l'heure, il me le met maintenant. Ouais, ça c'était obligé. Et il y a un Bowser juste après, c'est ça? Non, je l'ai pas. Je vais être obligé de... Prime. Prime. On attend. Au milieu. On bouge pas. Non, il m'a pas suivi. C'est bon. C'est passé. Ah, il y a un... Dans les 33 là qui sont parmi nous, il y en a un qui m'observe. Ah non, il s'est barré. Bon, d'accord. On le voyait à l'œil. Justement, tout en bas. Je sais pas s'il a récupéré la fleur, là il est en étoile. Ok, il est en fleur, ok. On est au même point mais il a plus de pièces. Dommage. La bêtise. J'ai ralenti, j'aurais pas dû. Là par contre c'était une belle frayeur. Les Koopas qui se suicident. Le manque de temps. Le 5-4, eh, mais tu veux pas tous les enchaîner aussi? Ah, là je peux rien faire, face à ça... Étoile. Non, faire quoi. Et le truc qui vient à sens inverse. Étoile. Go. Go. Go 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 go. Fini. S'il meurt... Bah non, il a un étoile. Il va pas crever. Purée. Sur le temps. Sur le temps, mais deuxième. Bon, est-ce qu'on a viré le 31 du coup, ou le 32 d'hier? Non! Faut faire encore une partie, putain. Ah, par contre, le 19 et le 16, le 19 et le 11 de tout à l'heure, ça pique. Hein. Bon, j'en fais encore une. Encore une. Et après, on stoppe. Je me mets déjà l'onglet pour voir s'il y a des copains en live et des copines. Pour voir si je vous envoie chez quelqu'un après ou pas. Imra il est sûrement en live mais il est sur Dark Souls 3. À moins qu'il est sur Dark Souls. frigo pour faire changer de frigo à 2 millions, c'est bon. Ah. Ah, parce qu'en plus c'était le frigo des proprios. Ah oui, dans ce cas c'est au proprio de changer, oui, c'est pas à toi. Ouais. Ou alors ils te disent change-le toi, mais dans ce cas que le jour où tu partiras de cet appartement, tu t'embarques le frigo avec toi. Ils pourront rien te dire. Ou bien, autre solution qui est possible, ils te disent de le prendre, ils te font une ristourne sur le loyer. C'est ça c'est possible aussi, ça m'est déjà arrivé ça. C'était sur une... c'était sur la haute. Mon ancien appart, un jour la haute, 1 est tombée en panne et 2 elle est tombée. Elle fait pouf. Du coup il a fallu la changer, le propriétaire nous avait dit de la changer et de lui présenter la facture et de conseiller une ristourne sur le loyer. J'ai les pièces en bas là, putain, purée, bon. Il y en a un qui est en... Il est bien parti, pourquoi est-ce qu'il a en temps réduit l'autre? Il est en train de nettoyer les océans. Qu'est-ce qu'il fait? On s'en fout. Il va perdre sur le temps. Bon, du coup j'étais concentré sur l'écran de l'adversaire et j'ai pas... C'est pas grave, c'est le 1-1, c'est pas grave. Voilà, il est mort. Je sais pas ce qu'il a fait le mec. Ah si, ouais, il a vu qu'il était en perte de temps et du coup il a voulu nettoyer les océans pour récupérer le temps, mais ça n'a point suffi. Il aurait dû faire un mix des deux. Étoile. Le Lakitu, je m'en fous, j'ai l'étoile. Je peux pas m'avoir. Là, je vais juste... Oh, les Lakitu, ah ouais. C'est les giboulets de Mars. Vu ta maison, ce demi-frigo est inutile. Ah, parce qu'il fait trop froid. La haute qui tombe, ça me... Oh ouais, la haute, elle est... Heureusement, il y avait personne en dessous, mais pas loin, quoi. Au moment de cuisiner... Oh, flûte, j'aurais dû sauter. Je pensais que ça passait. Bon, c'est pas grave. Ah, okay. Tu tombes? Ouais, tu tombes. Ok, c'est bon. Oh non, allez. Ça craint, ça craint, ça craint. C'est le 7-2 en plus quoi. 7-2, plus que 2. Je suis bon côté pièce, lui aussi, il a la fleur pas moins 4-1, merde. Purée. Ok, on peut s'arranger. Voilà. Par contre, j'ai gagné. Ah, purée, je le sentais pas. Le 4-1, en fin de partie, il est traître, il est hyper traître. Merci pour le GG, c'est gentil. Oh là là. Plus que 2, le 4-1, je l'ai vu arriver, je fais oh non, mais ça va. Je lui ai balancé le nuage là qui tue et je pense que c'est ça qui l'a achevé. Bon, voyons voir nos stats maintenant que l'erreur d'hier a disparu, même s'il y a deux erreurs aujourd'hui. Et ouais, c'est les deux erreurs d'aujourd'hui qui restent en position, qui font que je reste en position moyenne 5, je vais y arriver. Bon, c'est moins grave que le 32 d'hier qui pique. Mais 19-11, ouais, c'est pas ouf. Il va les faire disparaître aussi. Ouais. Bon, sur ce, je m'arrête là. Je commence à fatiguer. Et pour ceux qui suivent... vous connaissez la chanson, hein, pensez à follow la chaîne, à rejoindre le Discord, les réseaux sociaux, etc. Et les prochains streams, ça sera pour la semaine prochaine. Et le planning sera posté dimanche soir, au plus tard lundi matin. Planning pour toute la semaine. Mais d'ores et déjà, la semaine prochaine, il y aura du Mario 35, il y aura du Codenames et d'autres choses. Plein d'autres choses, mais pour l'instant, on verra. Voilà. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée. Et forcément, cordialement, bisous.